Bonjour et bienvenue dans Info Express bilingue, voici l'essentiel de l'actualité. La tension monte d'un cran entre l'Union européenne et la Chine. Le mardi 29 octobre, Bruxelles a décidé d'imposer une surtaxe douanière allant jusqu'à 35% sur les voitures à batterie de fabrication chinoise. La durée a été fixée pour 5 ans. De son côté, la Chine a annoncé avoir saisi l'Organisation mondiale du commerce

Nous le disions hier, l'objectif est de préparer l'envoi d'une équipe sur la Lune en 2030 et d'y achever aux alentours de 2035 la construction d'une base de recherche scientifique internationale. Voici les images du décollage diffusées sur la télévision d'État chinoise CCTV.

Le collectif Les Morts de la Rue a aussi dénoncé l'indifférence dont fait l'objet cette population fragile et souvent sans secours. La France peut dire merci aux JO de Paris 2024. Selon l'Insee, la croissance tricolore a augmenté de 0,4 au troisième trimestre, grâce à une demande intérieure qui a retrouvé un peu de talent sous l'effet du rebond de la consommation des ménages. Celle-ci a augmenté de 0,5 cet été, après être restée stable au deuxième trimestre. par 0.4 得益于国内需求回暖，特别是家庭消费的回升，夏季消费增长百分之零点五。